Ouais, salut mes beards, c'est Parano, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Wolfenstein's New Order. Donc on s'est arrêté au moment où Papy a mis un putain d'headshot à un nazi. Et on venait d'arriver justement à Berlin pour, ben pour tout niquer, hein, pour tout niquer, voilà, l'esprit de vengeance et le mot d'ordre aujourd'hui. Donc on va essayer de la faire un petit peu infiltration, je vais essayer de le faire de la même façon que je l'ai fait. Quand je l'ai fait sur le live sur Twitch, d'ailleurs je vous inviterai à me suivre sur Twitch si vous voulez voir pas mal de petits lives sur du multigaming. Encore une fois, ça reste une chaîne multigaming, que ça soit sur YouTube ou sur Twitch, même si je préfère Twitch pour la simple et bonne raison que l'interactivité entre vous et moi, je trouve que c'est mieux et que voilà, y a plus d'interactivité, on peut se parler, faire du tac au tac, que je vous réponde à vos questions, etc. Donc vous avez tout dans la description ou sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas les oiseaux. Je me ferai un plaisir à répondre à toutes vos questions. Et puis voilà, partager des petits moments comme ça en live sur des jeux un petit peu what the fuck. Et voilà. Donc on est parti pour ce troisième épisode. Ça commence très 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 bien. Franchement, je vais pas vous mentir, je suis vraiment dans l'ambiance, sachant que je n'ai pas vu les cinématiques. On va essayer de... Ah oui, c'est vrai, j'ai pas encore le... Donc en live, en fait, j'avais fait le jeu, mais je n'avais pas regardé les cinématiques pour pas trop me spoil. Et j'ai bien fait, hein, pour le coup, parce que franchement, c'est vraiment lourd. Là, je comprends quand même un peu plus à l'histoire. Je commence un petit peu à y comprendre. Normal. Donc lui il m'a vu, mais il m'a pas vu. What the fuck? J'ai pas bien compris. Ouh, le petit... J'ai pas compris où il voulait partir. Donc sachez que si je me tiens dans cette posture, c'est pas uniquement pour faire joli. C'est parce que si je me relève à une seule... Si je me relève une fois, il me spot et c'est fini pour moi. On va essayer de passer par là. Je trouve que c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Le crochetage plutôt assez simple, mais à chaque fois que je dis ça, je me fais niquer. Voilà, il suffit de mettre le petit point vert en fait sur le crochet, en fait sur le verrou, et vous avez trois verrous différents à déverrouiller à chaque fois. Donc simple, oui et non, parce que de temps en temps, c'est plutôt assez simple à faire. Des fois, mais s'échappe des asiles de lieu. Ok, c'est un petit peu, c'est assez simple comme je le dis, mais des fois, juste parce que vous parlez, ben. Ils ont envie de vous casser la tête, donc je vais pas déverrouiller cet endroit, je vais plutôt passer par là. Donc petite dédicace à X qui ne trouvait pas le fusil, le sniper. On m'a dit, mais comment t'as trouvé le fusil, le sniper? En fait, il se trouve juste tout en haut. Et il est juste ici. Fusil à lunettes, trouvé. Donc fusil à lunettes, c'est un truc de dingue ce truc. J'allais marquer les ennemis comme sur BF quoi, n'importe quoi. Je regarde juste où ils peuvent. Voilà, il y en a un là-haut. Tu n'as rien entendu mon ami, tu n'as rien entendu. Est-ce que sur le... Oui, c'est bon. Mais j'ai pas le couteau de lancer? Ah non, c'est pas le couteau. Oh putain, quelle dinde! Bon, ok, voilà. Bon! C'est pas grave, on va tout buter, on va rester sur le toit. Wow! C'est bon, tranquille, je recharge. Il est où Google?
Oups. Ouais, je crois que je t'avais mis headshot, même pas. Je te vois du fond, mec, mais. Je sais même pas si j'arrive à la voir là. Mais non. Oh putain! Oh lol, quickscope et shot quoi. C'est quoi ce délire? Je savais même pas. Retour à la voiture. Ok, je savais même pas que je pouvais faire ça. Ah, tu peux faire des quickscopes. Qui cool lol. Pas mal du tout en tout cas. Je vais pouvoir m'amuser avec ce snipe. Sachant qu'en plus maintenant. Double snipe. Le truc qui sert à rien mais ils l'ont mis quand même quoi. C'est vraiment énorme. Je vous jure, c'est vraiment énorme. Merci quoi. Franchement merci. Juste voilà, juste pour ça. Respect, chapeau, tout ce que vous voulez. Bon, j'ai bien compris qu'il fallait que je retourne à la voiture. Juste deux petites secondes. Comme d'habitude, je vide un petit peu la zone. Sachant que j'ai tout pris par ici. Donc ça a l'air d'être plutôt pas mal. Mais dans les autres zones, il y a encore pas mal de trucs à récupérer. Donc ça veut dire des artefacts ou des médailles, etc. Retournons à la voiture. Je sais que par ici, normalement, ouais, il y avait pas mal de petits trucs à prendre. Donc on va s'équiper. Ici aussi. Thanks bro. Ok, plus rien. Donc ni vu ni connu quoi, ni vu ni connu. C'est un grand mot. Ça t'a plu papy? J'avoue, franchement, il est chaud le papy là. Ok, c'est parti. C'est cher. Ah lol. Je vais y faire quoi toi? Qu'est-ce qu'il y a par là? Le mec il casse des caisses avec des munitions pour avoir des munitions. Pas mal. Donc voilà, vous voyez quand je vous disais que vous avez des choix alternatifs à faire. Là c'est plutôt je passe par le toit au lieu de passer par en bas. Donc voilà, c'est ces choix là, pardon, excusez-moi, que vous pouvez faire et non pas des choix de fou furieux. Vous avez vu, j'avais deux solutions, j'avais soit passer par la porte en dessous, soit par ici. Je préfère passer par là. Et plutôt de façon, j'allais dire discrète, mais pas du tout. On va se le faire au snipe. Oups. Il est où? Exact position. Je sais pas où tu es, mais tu me fais délirer. Moi. Ouais, j'arrive pas à le tuer lui, oh, il meurt pas quoi. Ok, entre deux murs, entre deux. Je sais pas quoi. Deux planches de bois. Et je n'ai plus de munitions donc il vaut mieux que je change.
j'ai couteau de lancer. Vite, vite, vite. Je vais, mec, je crois là, non? Sérieux, t'as vu le... Oh, vous avez vu le couteau? Truc de fou, frère. J'étais presque quoi. Vous voyez, oh, j'essaie d'y mettre du... J'essaie de faire tout ce que je peux, les gars. J'y arrive pas, putain. Ça mène où, ça? D'accord, c'est peut-être une autre façon de passer. Vous voyez que c'est une façon que j'ai pas faite. Je n'ai pas fait, ouais. Du coup, voilà quoi. Du coup, je suis à combien là? Je suis bientôt là, non? Ah, il y a pas mal de trucs à récupérer par là. Vous voyez qu'il y a pas mal de trucs à prendre. Je suis à combien là en couteau? 4 sur 5. Oh putain. On va repassera pour la façon fuite fuite là. T'as dit que j'aurais pu passer par là, ça aurait été terminé quoi. Si j'aurais su. Normal, il m'a vu, frère, mais t'es pas sérieux. Comment tu me vois de là? Quoi ce truc là, cette tête? Évidemment, c'est des grenades IEM, hein. Je le sais, les gars, vous inquiétez pas. Hein. Mais voilà, je pensais que peut-être ça allait faire quelque chose, quoi. Et oui, je savais que ça transperçait un chacal. Contre toi, t'as fait. Je sais pas si t'as vu. Bon, attends, avant de faire monter la plateforme, j'aimerais bien trouver ces petits trucs que j'ai vu tout à l'heure là. J'ai récupéré un truc, un gros truc, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est de l'armure, d'accord. Peut-être un casier qui s'ouvre. Non, rien de tout ça. Par contre, il y a un truc juste à côté de moi. D'accord, vous voyez que c'est quand même marqué, c'est pas mal. Heureusement que c'est marqué parce que sinon on s'y perdrait dans ces trucs. Donc maintenant, c'est par ici. Donc ça doit être, à mon avis, juste là dans le casier. Voilà. Et le troisième qui se trouve, si je dis pas de bêtises, je pense qu'il va se trouver en haut. Mais par précaution, on va passer par là. Ça n'a rien à voir. Bon, en tout cas, j'aurais essayé, franchement, vous voyez, hein, j'essaye à chaque fois de faire infiltration, infiltration. Il y a plein de gens qui vont me dire, tu le fais infiltration, tu le fais bourrin. Ben écoutez les gars, j'ai pas le choix. J'arrive pas à le faire infiltration, je suis... Si je jette mes couteaux, ouais, je putain... Ah. Ça, ça va faire pas là, par là, ouais, je pense que ça va être pas mal.
C'est kiffant en fait hein, ce petit lancer de couteau. Franchement, je pensais pas, mais le dernier. Ah putain, je passe à côté. Oh fuck. Fuck. Baby, I give a fuck. Peut-être où ce truc de merde là? Je me trouve carrément au mauvais endroit. Ça devait être au début de la mission. Bon, écoutez, je vais pas retourner hein, juste pour prendre un dossier. De toute façon, vous avez vu que ça se situait. De toute façon, je pense que je le referai du côté de l'autre côté, juste pour moi personnellement, ou je le ferai en live, pourquoi pas. Je le referai, ça me gêne pas du tout. Et là, pour le coup, j'ai pas envie de, voilà, de revenir. Qu'est-ce qui se passe, papy? Pourquoi t'attends pas? La route est dangereuse. Il y a des nazis. Tuez-les tous. On attend ici. Ok, papy. Avec plaisir. Petite. Nouvel atout, donc les explosions ça va pas, hein, ça va toujours pas. 5 sur 10, j'arrive pas à augmenter mon niveau de démolition. Accroît la quantité de munitions récupérées sur les ennemis tués avec. Ah oui, faire les 3 victimes consécutives en utilisant les fusils d'assaut, pas mal. Il va falloir que je fasse ça. Victime à couvert au pistolet 6 sur 15, pas mal aussi. Victime furtive au lancer de couteau 2 sur 20 et tué à couteau, permet à transporter. Ouais, d'accord. Alors quoi, la puissance du pistolet, victime. Ok. Donc 1 sur 10. Cela, je pense que ça va être faisable dans dans les prochaines vidéos, on verra. Je crois que la furtivité. Afficher les commandants sur la carte 3 sur 5. Oh, ça c'est cool. Ah ouais. 17 sur 50. Et c'est quoi ça? Confront. Confront. Ok. De toute façon, furtif et shot, furtif et shot, furtif et shot. Il faut que. En fait, si tu cries comme ça, papy, ça va pas le faire là. Il faut tuer des zombies, des nazis. De façon furtive. Non, je sais pas. J'ai tellement peur qu'il y ait un mec à côté en fait. Il m'avait grillé lui hein. Bon là il y en a deux là-bas. Spoté. Faudrait que je casse ses caisses un peu plus tard je pensais hein, parce que là ça le fait pas. Ok, je garderai ça pour plus tard, vous verrez pourquoi. Surtout que ceux-là c'est vraiment énorme, ils sont vraiment énormes ceux-là. Pourquoi tu recharges alors que tu es déjà full en munitions? Donc je vais repartir dans le sens inverse. Et personne m'a vu. Ça va, te casse pas la tête. T'inquiète, oh il est énervé oh. T'inquiète pas, je t'ai dit je vais les tuer. Pour toi bébé. Limite atteinte. Je pense que j'ai bien fait de passer par là, mais il y avait un mec qui était là, mais je sais pas où il est. Ok, 1. Je m'en fous. Genre lol, les fenêtres derrière les buissons quoi. Post caca, non? Pas post caca.
Ma foi, bon voilà, hein, vous voulez de l'infiltration, je sais qu'il y a pas mal de gens qui le demandent, qui le réclament. Jouer en infiltration, c'est palpitant. Passionnant. Espérons qu'il soit là-dedans. Ça a l'air d'être un commandant, lui, non? Ça avait l'air d'être un commandant. En tout cas, je lui ai mis un petit headshot. Rien pour moi ici. Pas de paperasse, rien. Je dirais que si pourtant. Parce que la mission a l'air de se passer par là. Olé! Dans le cul, putain, c'était son cul, quoi. Ok. Crois que c'est bon, hein? On dirait que non. J'ai oublié. Putain. Ok. Juste là à gauche. S'ouvre de l'autre côté. Donc j'aimerais bien savoir comment on ouvre cette porte. Il doit y avoir un passage, c'est pas possible. Alors peut-être une fois terminé le jeu, parce que je sais que par la suite on pourra ouvrir ces fameuses portes. Donc est-ce qu'il y aura un New Game Plus? Je ne sais pas, il faut que je me renseigne. Si vous avez la réponse, merci de me l'indiquer. Ça ferait vraiment plaisir. Parce que en fait je sais pas s'il y a un New Game Plus. S'il y a du New Game Plus, ça serait intéressant en fait, parce que je pourrais récupérer des objets que je ne peux pas prendre là actuellement. Donc ça serait vraiment pas mal du tout. Sachant que je vais juste faire une petite balade, voir s'il n'y a pas vraiment une trappe quelque part qui se cache ou quoi. Je ne pense pas, mais voilà, au cas où. Peut-être j'aurais raté quelque chose la première fois que je suis passé. Sachant que j'étais un petit peu en mode soum soum. Y a rien, il n'y a pas de truc, de trappe, de truc à déclencher, tu vois, genre un petit truc, non, non. Bon. Ah, il fallait que je fasse... Oh, oui, il faut pas que j'oublie ce fameux truc de fusil d'assaut. Ça, c'est mon bébé. Voilà. Donc c'est mon... Je suis sérieux quand je dis que c'est mon bébé, c'est vraiment mon bébé, cette arme, c'est un truc de malade. Donc on va aller voir papi chulo. Accrochez-vous! Il est temps de partir d'ici! Ah d'accord, j'ai laissé mon arme. Non! C'est pas grave. Wow! Vous inquiétez pas. Là je vous vois vous dire ton arme, ton bébé, tu l'as fait tomber. Let's rock. Monter le nouveau. Ah oui, c'est vrai, je peux la recharger maintenant. Oh là là. Mais il est pas mort. Oh le patron. Donc, les grenades IUM, pour une fois que je m'en sers pour une bonne cause. Pourquoi elle est remorte pas? Ah voilà.
Oui, parce que quand tu... Eux aussi, en fait, ces implosions, c'est des implosions IEM. Du coup, ça marche pas. Ça, c'est trop stylé, le fait que ça se recharge, du coup. Jusqu'à la mort, bébé, je te lâche plus. Ah oui, bien sûr, il faut attendre que ça se recharge. Ah ouais, là j'ai fait TB, distributeur de balles, je sais pas ce que c'est la première fois que je l'ai. Donc ça doit être ça, accroît la capacité en munitions de toutes les mitrailleuses. Ah d'accord, je savais pas que ça comptait comme une mitrailleuse, donc merci. Merci Moret. Accroît la quantité de munitions récupérées, ah oui, faire 3 victimes avec fusil d'assaut. Sans lâcher. À double, sans relâcher la gâchette, donc obligé de jouer avec les doubles. D'accord, je croyais que c'était si vous faisiez des doublettes, non, c'est parce que c'est avec les doubles armes. Du coup, les munitions, ça... Et ils ont essayé de me trouer, quoi. Ouais, wow, te casse, ma vie. On va prendre un petit peu de l'armure, hein, parce qu'ils ont lâché pas mal de bouts d'armure. On passe, hein. T'attends, mamie, 2 secondes, s'il te plaît. Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Ja. Sehr schöne arische Züge. Findest du nicht auch, Bobby? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Obersturmbannführer Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch, Bubi. Was soll das, mein Schatz? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Damit lassen sich Spuren unreinen Blutes, die in den Adern einer Person fließen, feststellen. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie das verstanden? Das ist nur ein Test! Aber antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen werden. Gut! Lasst uns anfangen! Sehen Sie das Foto, das Sie erregt, wenn Sie wissen, was ich meine. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmbannführer.
Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Ich hätte sagen sollen, dass das Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Entschuldigen, aber sie ist sehr stolz darauf, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder. Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts. Davon abgesehen kann ich, ein Nicht-Arier, mit bloßem Auge erkennen. Du etwa nicht. Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, eine bildhübsche Frau wird in seinem Abteil warten auf ihn. Ach, Bobby, lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freundin nicht. Danke schön. Groß Piotsch. Voll. Alors me demandez pas pourquoi je n'ai pas pris le flingue. J'avais pas vu qu'il y avait cette option là en fait. La première fois que je l'ai fait, j'ai choisi que les cartes à gauche. Je voulais voir si ça changeait en prenant que les cartes à droite. C'est exactement pareil. Par contre, je pense que si je referais de l'autre côté en fait, je pense qu'en live je prendrais le flingue pour voir ce que ça fait. Cependant, avec le gros robot sur la droite, je pense que ça risque de partir un petit peu en sucette. Et pour ce qui est du café qui est super bien fait en passant, c'est ironique, j'ai essayé en live de le faire tomber, genre de faire des trucs avec la souris que je pourrais pas faire en vidéo parce que je trouve que ça fait horrible. Mais voilà, pour les petits curieux qui se demanderaient est-ce que tu peux faire tomber le café, tu peux pas le faire tomber. William, par ici. William? Oui. C'est pour moi? Oui. Il n'y a qu'un lit dans la cabine. Oui. Ça vous gêne de le partager? Anniversaire. Parfois le chaos, la souffrance, la mort. Parfois on a besoin de ressentir quelque chose d'agréable. Je sais où aller. Je sais comment accéder à la prison. Il y a un hôtel dans la même rue que le siège de la police secrète. Tout le monde est au courant. Le siège de la police secrète est connu à Berlin. C'est là que les prisonniers sont interrogés et torturés. Ensuite, ils sont reconduits à la prison. S'ils respirent encore. Il se passe quelque chose. Il y a un fourgon de la prison qui arrive. Viens vite! Ils viennent pour les détenus. Trouve un moyen de grimper sur le toit du fourgon. Cache-toi là-haut, et ils conduiront tout droit à la prison d'Eisenwald. Je vais aller distraire le garde. J'espère qu'il verra rien. C'est vrai ce qu'on dit des nazis.
pas d'orgueil. Franchement, j'aime trop l'ambiance du jeu, c'est un truc de malade. En petit passant le petit coup de rein de la mise là, bim bam boum, il a pas perdu son temps lui. Y'a qu'un lit. Ouais, je sais. Ça vous dérange pas? Non, ça me dérange pas. Et toi, ça te dérange, poupée? Il m'a fait délirer quoi. Il a raison. Ça fait 14 ans, il a pas tiré son coup le mec en même temps. Hein. En même temps, je veux pas dire, mais c'est elle qui l'a sauvé la vie, qui l'a maintenu en vie, on va dire, entre guillemets. Donc il lui devait bien ça, un petit coup. Mort de rire. Bon allez, c'est reparti là, c'est fini un petit peu. Ok. Donc je connais déjà l'endroit. Alors ça, je crois que c'est un truc d'amélioration. Ah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un truc pour améliorer. Mais là, pour le coup, je comprends pas. Voilà, des fois, je prends ce petit truc, ça améliore des armes. Comme des fois, ça fait rien du tout. Je dois recharger. Ah ben non, pour le coup ça a servi pour ça. Donc le découpeur de laser, donc tout le monde se dit what, c'est quoi cette arme de dingue? Donc cette arme de dingue ne sert à strictement à rien. Quoi? À rien. Si quand même. Elle sert à découper des grilles. Et ce qui va nous être très 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 utile par la suite. Vous allez voir comment ça marche. Donc on va d'abord la recharger, la bébête. Ce qui est bien, c'est que ces sortes de modules de rechargement, il y en a pas mal. Il y en a pas mal sur... Sur dans le jeu en fait, donc vous pouvez vous amuser un petit peu à faire n'importe quoi. Donc le principe étant de couper la grille, voilà, de couper la grille tout simplement. Et tadam. Donc franchement je trouve ça vraiment vraiment stylé. J'imagine que X à ce moment là fera une bite géante, hein, je le connais X. Donc moi je ne ferai pas ça. Mais je connais notre cher ami X. Et je sais que la première chose qu'il va faire, c'est faire une bite. Le salaud. Donc bien sûr, même si vous faites un trou tout petit, vous pouvez passer quand même. Ah ben non, voilà. Pour le coup, j'ai parlé dans le vent. Fail, fail, fail. Je pense que c'est pour les petits trous où tu t'agenouilles. Tu t'agenouilles pour passer. Par contre, le coup de souris 1, c'est bon là. Donc on a compris que voilà, tu peux enlever ton truc là. Merci. Donc voilà, un petit truc plutôt sympa. Ça change, ça change, ça change. Saut de l'ange. Alors, on est reparti en mode couteau. Et est-ce qu'il y a un... Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il avance ou il avance? Tu me vois pas, bâtard. Il a pas l'air de vouloir avancer. Donc on va passer par derrière directement. Oh, juste quand je dis ça, il avance. Connard. Alors un truc que je regrette sur le jeu, c'est la dissimulation de cadavres. J'aurais bien aimé qu'on dissimule. Oh la dinde. Ta gueule, ta gueule.
Si moi j'ai pas alerté tout l'immeuble, j'ai failli. Je peux répondre? Ok, pourquoi tu t'engasses comme ça, mon gars? Il avait le seum, lui, c'est un truc de malade. En tout cas, petite news plutôt sympa. J'ai une caméra de surveillance, mais bon, on dirait qu'elle fait rien. Yes! Yes! Ça c'est bon ça! Éclaireur 2! Donc éclaireur 2 il est où? Éclaireur 2, afficher les commandants sur la carte. Élimination furtive. Ah c'est bon ça! Pas mal! Pas mal! Petit à petit ça monte hein! 2 sur 20 permet à transporter aux autres couteaux supplémentaires, ok. 7 sur 10! Accroît la puissance du victime furtive au pistolet avec silencieux, ça c'est pas mal. Cependant il faudrait que j'ai un pistolet silencieux pour que ça marche. Et pour le moment. Je n'ai rien. Ah, au fond de la pièce, à droite, d'accord. Je vais essayer d'y aller. Ah, lui, il était là, tranquille, en train d'écouter sa musique. Ah, it's dry. Donc, j'ai cru comprendre que c'était... Et des fois, Tab, il bug ou... C'était là. Et c'est là. Et d'accord, c'est directement le fichier. Oh shit! Oh yeah! Ça c'était le coup du téléphone, ça je l'avais pas fait la première fois. Oh là là, opération secrète, ma gueule! Alors il se passe quoi par ici? Ouh, le dossier top secret! Fragment de code 8.7. Pas mal! Ouh le secret, ouh le secret, c'est pas joli ça, c'est pas joli. Voilà, au moins vous voyez que ça vaut le coup de des fois de regarder un petit peu la map de temps en temps pour aller à droite à gauche. Et pour ouvrir des petits trucs, donc ces codes je vous montrerai peut-être je pense une fois le jeu terminé de quoi il s'agit. Mais pour le moment, on continue. Genau eine Minute, Hans. Da müssen wir alle los. Rechts. Hier, du da. Komm schon. Vorwärts. Sau, dreckig. Komm vorwärts. Zeig mir was. Vorwärts. Tiens, du mal. J'y suis presque. Schnell vorwärts. Sag dir was. Komm schon. Vorwärts. Vorsicht!
C'est l'heure de vérité. Il va falloir se battre. Je vous fais une promesse. Je la mes amis. Si c'est ici qu'ils vous retiennent, je vous trouverai. Et je vous libérerai. C'est sur le toit et rester hors de vue et de portée aussi. Oh, ça va être tendu du string là. Là, on est en plein. En plein camp ennemi quoi. En territoire ennemi. Si, moi. Bon, écoutez les gars, en tout cas, moi je pense que je vais m'arrêter ici parce que si je continue, je vais encore faire 2 heures de vidéo et c'est pas le but. Écoutez, moi je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ce 3ème épisode sur Wolfenstein The New Order. Encore une fois, ce putain de charisme et ce putain de perso de Blazis. Putain, je me rappelle même plus de William. Vraiment de plus en plus on avance et de plus en plus on est plongé dans l'ambiance et tout. Là en plus on commence à se retrouver en territoire ennemi. Regardez moi cette gueule de winner et tout. Pff, moi il me fait péter les plans. Franchement ce jeu plus j'avance et plus je le kiffe. Je sais pas pour vous, laissez moi un commentaire en tout cas si vous aimez bien ce let's play. Moi je vous remercie encore de l'avoir regardé, de le suivre. N'hésitez pas à follow sur Twitter si vous voulez plus d'informations et sur Facebook pour savoir à quand va sortir le nouvel épisode ce Wolfenstein The New Order. Je vous dis à bientôt, c'était Porano. Peace.